s'est lancé à midi sur les 126 km de cette première épreuve. Rondement mené à Christian avec une moyenne qui doit allègrement dépasser les 43 km/h avec de nombreux kilomètres qui possédaient une dizaine de secondes d'avance. Est-ce qu'on a, José, de nouvelles informations en ce qui concerne la tête de course? Pas de nouvelles informations donc qui viennent de nous parvenir. On voit les supporters à l'entrée du château qui sont en train d'applaudir. Ça annonce très certainement l'arrivée des premiers concurrents et on va accueillir l'arrivée en solitaire de Robin Meyer, le coureur de la V6 en Provence qui s'impose. Avec derrière lui, on va saluer la deuxième place pour le représentant du VC Rouen 76 avec Clément Saint-Martin, avec la troisième place pour un représentant du team cycliste azurien avec l'Italien Matteo Drapri qu'on va retrouver sur le podium donc de cette épreuve. Allez, des applaudissements, des encouragements pour tous les concurrents qui sont en train de franchir la ligne d'arrivée ici au château de la Verdière avec le peloton revenu à seulement quelques mètres donc des hommes de tête, mais qui auront ainsi finalement réussi à résister au retour du peloton dans le final de cette épreuve.